parti afficher. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, vidéo très courte, très courte même, avec que de la parlotte, que des informations. Alors, première information, je suis arrivé depuis quelques jours en Dordogne pour pêcher et je vais faire 2 mois de pêche intensive. Donc j'ai déjà fait de la sortie en flotte tube, de la pêche du bord d'ailleurs. La petite vidéo, la dernière, c'était pêche du bord à la cuillère. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé. Les images qui sont derrière eux, c'est de la pêche en flotte tube. Donc moi j'avais rien fait, donc j'ai juste fait quelques images. Ensuite, c'était une deuxième information, et celle-là, elle me tient vraiment à cœur. Ça fait longtemps que je devais le faire. Je m'en excuse auprès de la personne. C'est Sylvain. Donc Sylvain, qui c'est? C'est celui qui a fait mon logo, donc vous le voyez à l'écran maintenant. C'est un régal ce qu'il a fait, et il n'a pas fait que ça. Il m'a fait déjà 3 logos, on va dire. On en a discuté avec lui, j'en ai discuté, j'ai donné mon avis, il a changé, il a modifié, il a fait tout pour que j'adore mon logo, donc, et il a réussi. Il est juste sublime, je ne changerai jamais ce logo, il est génial. Ensuite, il a fait d'autres travaux, il a fait des autres logos, donc je vous les affiche aussi. Faut savoir qu'on peut lui demander de faire les logos, donc je mettrai tout en description. Alors, il peut créer des logos, des cartes, des affiches, des sites internet. Il fait de la déco de voiture ou de bateau. Donc, il fait plein de trucs. Et par contre, il a des tarifs. Et les tarifs dépendent de ce qu'on demande. Donc, il faut se renseigner. Il faut voir avec lui. De toute façon, c'est un mec super sympa. On peut discuter avec lui tranquillement. Il est ouvert à tout le monde. Donc, je vous mets tout en description, il y aura son Facebook, comme ça vous pouvez directement le contacter. Voilà, ben sur ce, je vous laisse. Merci à toi Sylvain, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et n'oubliez pas, abonnez-vous pour suivre les aventures. Ciao.